Le marché de Jarnac a gagné ses lettres de noblesse grâce à ce travail des organisateurs juste avant l'ouverture. On fait du contrôle de chaque truffe pour voir la qualité et qu'elle soit correcte, qu'il n'y ait pas de défaut majeur pour la vente. Objectif, ne pas tromper le client car les prix s'envolent jusqu'à 950 euros le kilo pour les truffes de première qualité. Des prix élevés malgré une offre importante. Ce matin, il y avait 60 apporteurs pour 80 kilos. Le souci, c'est qu'il y a des régions productrices très importantes en France qui manquent de truffes, qui n'ont pas eu les conditions météo adéquates durant l'année. Donc, ils ont des volumes très très faibles. Certains acheteurs de ces régions-là viennent s'approvisionner dans notre région. Des prix élevés qui ont donné de mauvaises idées à certains. Ainsi, en 15 jours, deux vols ont été constatés, l'un en Charente, l'autre en Charente-Maritime. On poussait un petit peu en surface, donc c'est vraiment le petit voleur amateur. Avec l'aide des forces de l'ordre, la profession s'organise. À l'instar des parcs à huîtres, la gendarmerie a désormais l'œil sur les truffières les plus isolées. Des patrouilles de gendarmes de jour, mais également de nuit, surtout sur ces périodes de fin d'année qui sont propices au vol sur les parcelles. Donc nous sommes aidés en ça par des moyens techniques qui sont à notre disposition. Le Poitou-Charentes est néanmoins épargné par les vols massifs. Mais dans le sud-est de la France, ce délit est devenu courant. Récemment, à Avignon, un voleur a été condamné à 3 mois de prison ferme. Ça reste marginal aujourd'hui les vols dans notre région. Nous sommes dans une région qui produit de plus en plus, dont le marché de Jarnac est de plus en plus réputé, de plus en plus connu. Donc je pense qu'il faut que nous commencions dès maintenant la prévention. Une prévention avant des dérapages comme dans le département de la Drôme. En 2015, un trufficulteur a été condamné à 8 ans de prison pour avoir blessé mortellement un voleur.